Le royaume de Dekanmet dispose désormais d'un nouveau roi. Il s'agit de Sa Majesté Zudanoun. Il a été intronisé par ses pères, samedi 10 juillet dernier en tant que 15e roi de la dynastie royale Abatonon à sous. Au nom de notre illustre ancêtre Adjauto, au nom des entités traditionnelles du Bénin et en vertu des pouvoirs hautement sacrés qui nous sont conférés, nous vous intronisons roi de Dekanmet. Au nom de nos illustres ancêtres et rois du Bénin, au nom des anciens rois de Décambe, au nom des anciens rois d'Alada et en vertu des pouvoirs hautement sacrés qui nous sont conférés, nous vous intronisons roi de Décambe. Que la paix soit avec vous. C'est par cette litanie que le collège des rois présents a intronisé sa majesté Kpofon danun sacré roi de Décambe. Il devient ainsi le 15 roi de la dynastie royale Abatonon à à Ansou, trente ans après le décès de son prédécesseur. Drapé d'un pagne tissé de couleur jaune, il a suivi pas à pas, le processus qui fait de lui le tout nouveau roi. Il a été ensuite installé sur le trône de son prédécesseur suivant la tradition, et a reçu les attributs royaux que sont les sandales royales, le tabouret royal, le grand pagne et les récardes. Au terme de l'intronisation, le collège des rois du Bénin avec à sa tête sa majesté Kpodébé l'homme-enfant, en roi d'Alada et président du haut conseil des rois du Bénin. A imploré les bénédictions royales, ancestrales et divines sur le nouveau roi et lui a souhaité un long et prestigieux règne sur le trône hautement sacré de ses ancêtres. Historique. Revenant sur l'historique du royaume, Germain Sossou, régent et président du conseil de gestion du palais royal de Décamé, rappelle que les ancêtres de Décamé sont venus d'Ajatado pour s'installer dans une grande palmeraie entourée d'une grande forêt, à la recherche d'eau à boire. Ces derniers ont trouvé refuge dans cette palmeraie où leur séjour a été très long pour cinq raisons principales à savoir, la disponibilité de l'eau à boire, la recherche de la sérénité, la fertilité de la terre sur laquelle ils étaient, l'abondance des animaux dans la forêt et la présence des poissons dans le lac Aimé. Après plusieurs années, souligne-t-il, ils ont décidé de s'en aller à l'exception du prince d'Adjauto. Abatonon a en sous qui est resté et a fondé ainsi la cité historique de Décamé en 1560. Le régent précise que c'est grâce à ce dernier que Décamé a un palais, un trône et une dynastie royale. À sa suite, Alphonse Sossou, secrétaire général du comité d'organisation a indiqué que le palais royal de Décamé était un véritable laboratoire des idées, de fraternité et de paix. Ensuite, ce palais était le point à partir duquel la parole de Dieu s'est propagée dans la région et enfin, la cité historique de Décambay a joué un rôle important en faveur des captifs en transit avant leur acheminement vers les marchés d'esclaves de Ouida. Présent à cette cérémonie, Gilbert Desmalais, directeur du Fonds des Arts et de la Culture, a félicité les organisateurs pour cette riche cérémonie d'intronisation qui marque le début d'un nouveau règne. Au nom du Ministre du Tourisme de la culture et des arts, il a réitéré le soutien du gouvernement et du chef de l'État, Patrice Talon, aux organisateurs pour la restauration et la promotion des valeurs culturelles.